Marie, tu sais ce que c'est que ça? Une batte de baseball. Non, c'est un baculum. Qu'est-ce que c'est qu'un baculum? C'est un os dans le zizi. Donc ça, c'est un os pénien. De quel animal? D'un morse. Ça mesure 60 cm de long. Et en fait, il y en a une diversité de formes incroyables chez certains singes, des chauves-souris, des phoques, des loutres, des taupes, et même chez certains chiens et chats. Alors d'ailleurs, c'est un os qui est dit flottant, puisqu'il n'est pas rattaché directement au squelette, et on pense que ça pourrait favoriser un meilleur succès reproductif. Ouais, d'ailleurs, il y a des scientifiques qui pensent que notre ancêtre lointain, à nous les humains, peut-être possédait un os pénien, mais qu'on aurait perdu au cours de l'évolution. Quel dommage. Mais peut-être pas de cette taille, par contre, parce que ça serait... Elle est très douce, cette souris. Mais du coup, s'il y a des os péniens, est-ce qu'il y a des os génitaux féminins? Oui, et on appelle ça des bobellums, et ce sont des os clitoridiens. Voilà, c'était la petite anecdote délicieuse du jour. On vous dit à bientôt.